Bon, c'est le jour de la reprise et c'est un jour très particulier, surtout pour vous, Guillaume. Comment ça se passe très précisément? Quelles sont les mesures de... On accueille un par un les joueurs. Moi, je les ai déjà suivis durant tout le long de la période sanitaire. On les a appelés une à deux fois par semaine. On les a suivis médicalement, bien entendu. Là, aujourd'hui, donc, bien sûr, ils arrivent avec les distanciations sociales qu'il faut. On leur prend la température. Ensuite, on leur fait une prise de sang pour savoir s'ils ont été en contact avec le virus. On leur fait également les normes obligatoires de la Ligue. On leur fait un écouvillon dans le nez pour savoir s'ils le contiennent et s'ils ne vont pas le transmettre à d'autres personnes. Et après, hop, ils sortent du club et récupèrent leur package. Alors justement, on le disait juste en début d'entretien, là, effectivement, vous les avez suivis très régulièrement pendant la période de confinement, ce qui sous-entend qu'ils arrivent ici avec de très fortes chances d'être en parfaite forme. Oui, voilà. Deux fois par semaine, moi, je les appelais avec un questionnaire bien protocolisé. S'il y avait le moindre doute, je me déplaçais chez eux. Et donc, bien sûr, ils ont été très bien suivis. Ils avaient un questionnaire le matin également à remplir au réveil. Donc, ils ne vont que bien. D'accord. Est-ce qu'on continuera régulièrement à tester les joueurs ou cette fois, ce suffira? Non, pas. Ce ne sera pas l'unique fois, hein, bien entendu. On va essayer de les tester assez régulièrement, entre une fois par semaine, deux fois par semaine, à voir avec les conditions de la Ligue et de la FFF, probablement. Donc, moi, je les suivrai tous les matins, bien entendu, avec la prise de température, un questionnaire sur les personnes qu'ils ont rencontrées, comment ils se sentent, s'ils ont de la fièvre, etc., s'il y a peut-être d'autres signes médicaux, donc qui seront très, très bien suivis, quoi. Merci. Voilà. Eh bien voilà, c'est la reprise. Tout sourire, Vito. Ah oui, ça fait plaisir de reprendre, même si c'est dans une situation un peu particulière, mais ça fait plaisir d'être là. J'imagine que vous avez, comme tous vos camarades, trouvé le temps bien long. Ah oui, c'était très long, très long, parce que quand on aime notre métier, et le temps il était très très long, mais bon, le plus important c'était la santé, donc. Donc on est là, on a la santé et puis on est tous, je pense on est tous heureux de retrouver Gramont. Et les examens sont bons? Oui, tout va bien. Impeccable. Bonne journée. Et est-ce que tu veux autre chose en plus, au cas où? Non. Ça suffit?